Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans les studios de Pactol. J'ai une courte exhortation pour le peuple de Dieu, une exhortation qui fera certainement du bien à quelqu'un. Et cette exhortation, je l'intitule « Combattu, mais jamais abattu ». Et je vais vous inviter à prier avec moi avant que je ne continue l'exhortation. Père éternel, mon Dieu, Père mon roi, je voulais te dire merci. Seigneur, je te rends toute la gloire d'avoir permis, Père, ma présence, Seigneur, en ces lieux. Éternel, je suis là, Papa, pour parler une fois encore, Seigneur, en ton nom, exhorter ton peuple, Seigneur. Je prie, éternel Dieu des armées, que cette parole puisse faire du bien à quelqu'un. Que cette parole, Seigneur, puisse toucher les cœurs, puisse restaurer une vie et que toute la gloire te revienne. Seigneur, ta parole est esprit et vie. Que cette parole qui est la vie, Seigneur, puisse vivifier la vie d'une personne qui m'écoute en ce moment et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, je nous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, à lire la parole de Dieu dans le livre des Exodes, Exode chapitre 1. Je commence à partir du verset 10 qui nous dit ceci. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il s'accroisse, qu'il ne s'accroisse, et que s'il survient une guerre, il ne se rejoigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. C'est une décision que le roi d'Égypte prenait à l'égard des enfants d'Israël. Je lis au verset 11, il dit, et l'on établit sur lui des chefs, sur le peuple d'Israël bien sûr, des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Et au verset 12 qui dit, mais plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. La partie où je voulais mentionner ici, c'est le verset 12 qui dit, mais plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait. Nous savons très bien, bien-aimés dans le Seigneur, que ça crie de partout. Nous traversons des moments difficiles, nous traversons des moments de complications, nous traversons une crise sanitaire mondiale. Et ce crise sanitaire amène beaucoup de personnes au découragement, amène beaucoup de personnes à se poser des questions. Beaucoup se demandent, mais si réellement Dieu existe, mais pourquoi tout ceci nous arrive? En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas oublier que notre image, l'image que nous reflétons aujourd'hui, c'est l'image des enfants d'Israël qui étaient en esclavage. Et malgré que les enfants d'Israël à l'époque étaient en esclavage, c'était des esclaves, mais eux-mêmes qui étaient les rois, c'est-à-dire les pharaons, les Égyptiens avaient peur de ces esclaves-là. Et raison pour laquelle ils disent, ils étaient en train de tout faire, en fait, pour pouvoir accabler ce peuple. Ils étaient en train de tout faire pour pouvoir étouffer ce peuple. Les pharaons, les Égyptiens étaient en train de tout faire pour exterminer ce peuple. C'est pourquoi j'intitule le thème de cette exhortation, je l'ai intitulé combattu, mais jamais abattu. On faisait tout pour éliminer le peuple d'Israël, mais ce n'était pas écrit dans leur destin qu'ils allaient rester neutralisés à l'étranger. Donc je ramène ce passage à ce que nous vivons aujourd'hui pour dire à un enfant de Dieu qui se lamente, à un enfant de Dieu, parce qu'il y a de ces crises, à cause de ces crises, qui commence à douter de l'existence de Dieu. À cause de ce que nous traversons, qui commence à mettre un point d'interrogation peut-être sur l'appel de Dieu sur sa vie, ou peut-être sur sa mission dans ce monde. Il se pose des questions, il se pose beaucoup de questions. Il y a beaucoup où ces moments de crise ont amené au découragement, ont amené à l'abandon. D'autres même ont renié la foi. Je viens te dire, la Bible dit, plus on les accablait, mais plus ils s'accroissaient et se multipliaient. Nous ne devons jamais oublier que l'église de Jésus-Christ que nous sommes dans ce monde, l'église de Jésus-Christ que nous représentons dans ce monde, nous sommes à l'image parfaite du Christ.
Et l'église de Jésus dans ce monde, sa raison d'être, c'est de représenter d'une manière digne le Seigneur Jésus. Mais si nous représentons d'une manière digne le Seigneur Jésus-Christ, pensons-nous réellement qu'il n'y aura pas de moments de complication? Pensons-nous réellement qu'il n'y aura pas de ces moments-là où on cherchera à tout prix à nous accabler, à nous outrager, à nous réduire vraiment à l'extrême? Mais moi, quand je lis la parole de Dieu, je ne vois pas vraiment les promesses que Dieu nous a faites, les promesses de paix, de bonheur. C'est vrai, nous allons vivre dans ce monde, mais c'est plus dans le royaume. Je n'ai jamais lu un livre qui a promis la souffrance comme la Bible nous l'a promis. Mais aujourd'hui, les problèmes surgissent de gauche à droite. Les crises sanitaires de par-ci, par-là, et beaucoup commencent à douter. Mais si nous sommes l'image de Jésus-Christ de Nazareth, nous devons savoir que même cette crise-là, même ce virus-là composé qu'on nous a envoyé, c'est aussi pour déstabiliser l'Église. Parce que l'Église est une puissance dans ce monde. L'Église représente la force de Jésus-Christ dans ce monde. Nous sommes le corps de Jésus-Christ, c'est ce que la Bible nous dit. Donc nous devons comprendre que ces trucs-là nous amènent aujourd'hui. Nous tous, nous couvrons, on ferme la bouche. Mais j'aimerais vraiment que les chrétiennes comprennent et analysent ce qui se passe avec un œil spirituel. En comprenant que le simple fait que nous couvrons, nous fermons nos bouches avec des masques, c'est qu'on veut nous empêcher à parler de Jésus-Christ. Le seul fait qu'on nous enferme dans les chambres, c'est vrai, on n'est pas les seuls, mais les autres qui sont enfermés au même titre que les chrétiens, eux sont déjà dans les cages de l'ennemi. Mais nous qui sommes là en train de crier, Jésus-Christ revient, Jésus-Christ vous aime, on nous met au même titre que les autres pour nous enfermer, afin juste que la prophétie puisse s'accomplir. Mais pensons-nous vraiment que cette prophétie peut être accomplie sans ces difficultés par lesquelles nous sommes en train de passer? Pensons-nous réellement que nous, quand nous crions dans les rues, Jésus-Christ à la porte, Jésus-Christ revient. Pensons-nous que Jésus-Christ doit revenir s'il n'y a pas de cette souffrance, s'il n'y a pas de cette difficulté, si la prophétie ne s'accomplit pas, pensons-nous réellement que Jésus-Christ viendra? Au contraire, nous devons nous réjouir. Nous devons voir en tout ce qui se passe les signes de la fin des temps. Nous devons voir en tout ce qui se passe que vraiment le maître est à la porte et il faudra que nous nous levons, que nous prions. Même si on nous enferme, même si on nous outrage, même si on nous persécute, nous devons prendre ça au contraire comme un sujet de joie. Pourquoi? Parce que la Bible nous l'avait prédit. Et nous devons nous rassurer que ce que la Bible a dit est en train de s'accomplir. Au lieu de nous lamenter, nous devons prendre nos limitations pour faire autre chose. Je vous donne un exemple. Un jour, j'étais au travail. Et dans le travail, il fallait qu'on mette des masques parce qu'on travaille de nuit. Et moi, j'étais fatiguée, j'avais sommeil parce que c'était ma première fois de faire ce travail-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que je me sentais fatiguée avec la bouche fermée, qui ne pouvait pas parler, le Saint-Esprit va me dire, au lieu de prendre ça comme une faiblesse, au lieu de prendre ça pour te lamenter, reste en bas de tes masques et fais de ces nuits-là des veillées de prière. Et pendant que les autres étaient en train de travailler avec le masque, ils étaient angoissés, ils étaient énervés. Moi, j'étais là et puis je priais en langue, en bas de mon masque. Donc, nous pouvons prendre ces problèmes qui nous arrivent en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons prendre ces problèmes, nous devons voir vraiment dans quoi cela peut nous arranger, pour nous fortifier, pour nous encourager. Parce que la Bible nous a tout dit. Ce qui est bien, c'est que la Bible a tout dit. Souffrance, bénédiction, la Bible a tout dit, il a tout dit. Donc, quand ces choses commencent à venir, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons simplement prendre l'exemple sur les enfants d'Israël. La manière dont ce peuple a été persécuté, la manière dont ce peuple a été outragé, la manière dont ce peuple a été flagellé, la manière dont on accablait ce peuple. Mais la parole de certitude, la parole d'encouragement, la parole de victoire que nous voyons, c'est que la Bible dit, plus on accablait ce peuple, mais plus il se multipliait et il s'accroissait. De plus, on nous empêche de prêcher Christ, plus nous allons nous lever dans la prière, plus nous allons nous avancer du trône de gloire avec assurance et certitude. Plus on nous refuse de sortir, d'aller dans les églises, plus nous allons nous rassembler deux dans les maisons et puis continuer la prière, continuer le combat. Il ne faudrait jamais que ces moments soient des moments de faiblesse pour nous. Il ne faudrait jamais que ces moments soient des moments où nous allons murmurer, nous allons parler mal, où nous allons penser que bon, Dieu a oublié le monde. Comme quand je cause avec certaines personnes qui disent, oh mais Dieu même, si ça suffit maintenant, Dieu même il n'a qu'à faire. Mais si ça suffit,
Toi et moi n'étions pas là quand il a créé le monde, bien-aimé, dans le Seigneur. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de prier. C'est de prier. Parce que les trompettes sont à la bouche. Ce sont des signes qui nous montrent que Christ est déjà là. Christ est déjà à la porte. Et nous devons sortir de la distraction. Nous devons sortir des petites histoires, des querelles qui n'aboutissent à rien du tout. Et nous focaliser sur l'objectif. Se focaliser sur l'objectif, c'est d'annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Se focaliser sur l'objectif. Nous voulons vraiment que ces choses puissent s'arrêter. Tu dois te lever et annoncer l'évangile. Parce qu'il a dit jusqu'aux extrémités de la terre. Quand la dernière personne entendra parler de Jésus-Christ de Nazareth, la trompette va sonner. Mais sinon, nous allons vivre et revivre dans des moments de complications. Nous allons être à la merci de ces personnes qui donnent l'ordre mondial. Nous allons être à leur merci. Mais si nous sommes même à leur merci et nous avons la foi, nous gardons l'assurance, bien-aimés, nous irons encore très loin avec le Seigneur. Beaucoup de chrétiens, nous savons, la Bible dit que nous ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'église de Jésus-Christ représente le corps de Jésus-Christ de Nazareth. Mais Jésus lui-même, son corps a été flagellé. Le corps de Jésus a souffert. Il n'est pas allé à la croix pour nous faire plaisir. Il n'est pas allé à la croix parce qu'il n'avait rien à faire. Mais il nous donnait l'exemple. Il nous montrait l'ombre des choses à venir. Il nous montrait que si vous êtes les membres de mon corps, de la manière dont on m'a flagellé, de la manière dont on m'a méprisé, de la manière dont on a déchiré mon dos, de cette même manière-là, vous allez passer par la souffrance. Mais après la souffrance, nous ne serons jamais anéantis. Après la souffrance, nous serons toujours victorieux. Après la souffrance, nous remporterons la victoire. Et un jour, nous serons assis dans les lieux célestes à côté du Maître. Et ça sera notre récompense. Bien aimé, je voulais te rassurer. La Bible dit, le ciel et la terre passeront. Toutes ces choses que nous vivons aujourd'hui vont passer. Les douleurs vont passer. La souffrance va passer. Coronavirus encore, ce n'est rien du tout. Coronavirus, ce n'est que le début des choses à venir. Ce n'est que le début de la souffrance. Parce qu'il dit, quand vous verrez ces choses, ce ne sera que le début. Et si au début déjà, nous nous décourageons, beaucoup d'entre nous, serviteurs, servantes de Dieu, nous préférons maintenant rester sur Zoom. On n'aime plus bouger. J'ai organisé des choses où j'ai invité des hommes de Dieu qui m'ont dit non, là-bas, là, certainement, il y aura Corona. Mais où est la puissance de l'église dans tout ça? Où est la puissance de l'église? Où est la puissance de la parole? Les hommes que Dieu a établis comme ministres de son royaume. C'est vrai, il faut se méfier. Nous devons respecter, c'est vrai, les règles qui sont en train de sortir. Mais nous n'allons pas respecter les règles juste au point de mépriser complètement ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous a confié, jusqu'à oublier ce que nous représentons dans ce monde-là. Nous représentons une puissance. Nous représentons une puissance. Je dis nous représentons une puissance. Et nous ne devons jamais oublier notre raison d'être en tant qu'église de Jésus-Christ. Nous ne devons jamais oublier notre raison d'être dans ce monde. Notre rôle à jouer dans ce monde, nous ne devons jamais l'oublier. Et notre rôle dans ce monde, c'est de montrer Christ. C'est d'élever haut l'étendard de l'évangile. C'est d'élever haut l'étendard de l'évangile. D'élever haut le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas, qu'on se condescend, la prophétie va s'accomplir. Donc, ne nous focalisons pas pour ça. Je dis, si aujourd'hui, nous tous, tout le monde a peur, les gens ont peur de sortir, on ne peut pas voyager, c'est vrai. On a été prévenus et tout ça là. Mais si Shadrach, Meshach, Abednego, ils avaient respecté l'ordre du roi, je pense qu'ils n'allaient pas se retrouver dans la fosse aux lions et puis leur nom serait écrit dans la Bible. À un moment donné, quand on se sent menacé, on doit se lever. À un moment donné, on doit savoir prendre une décision pour dire cette décision-là, je la prends au risque de ma vie. Point final. Mais lorsque j'entends les gens dire, non, pourquoi vous sortez, vous les chrétiens là? On vous parle, vous n'écoutez pas. Mais est-ce qu'ils ont lu la Bible? Est-ce qu'ils ont lu la Bible pour savoir ce que Dieu a dit que nous devons faire? Donc, Shadrach, Meshach, Abednego, ils allaient juste manger ce que le mets du roi.
et puis voilà, c'est bon, on a mangé, parce que la Bible dit qu'il faut obéir aux autorités. Mais quand l'autorité donne un ordre, je vois que ça ne m'arrange pas. Quand l'autorité donne un ordre, je vois que ça menace ma vie spirituelle. Je vois que ça menace ma foi. Je préfère en mourir. Je préfère en mourir parce que je sais que ça, là, ça ne m'arrange pas. Donc, je viens vraiment, bien aimé, encourager quelqu'un. Si nous sommes le corps de Christ, et Christ lui-même, son corps a souffert, n'ayons pas peur de la souffrance. Résistons. Levons-nous encore dans la foi. Levons-nous encore dans la prière. Pas de découragement. Pas de murmure, mais avançons. Afin que le royaume soit reconnu. Avançons afin que les choses bougent. Dieu compte sur toi, Dieu compte sur moi. Que le Seigneur nous bénisse et à la prochaine. Patan studio. On a barré justement à Bino, Patan studio. On a ma mission, Patan studio. On a la théâtre, Patan studio. C'est du bon.